Shabbat Shalom, c'est la paracha de Balotra. Je veux souhaiter pour vous et votre famille un bon Shabbat. Cette semaine, on va parler du Pessah. Une partie des Juifs sont venus voir Moshe Rabbeinu, ils ont dit on ne peut pas faire Pessah parce qu'ils étaient tamés, ils étaient impurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont dit la manigara. Moshe leur a dit ne vous inquiétez pas, il y aura un deuxième Pessah. Une fois, il y avait Rabbi Israël Miselantz, il raconte une histoire qu'au milieu de la nuit, en train d'apprendre, à 2h30 du matin, on voit que la personne qui arrange les chaussures, en train d'arranger les chaussures, il descend en bas, il dit, mais au milieu de la nuit, on arrange. Il dit, tant que la lumière est allumée, on peut toujours arranger. C'est ça qu'on apprend dans le message de son paracha. Les gens n'ont pas pu le faire la première fois après ça, ils ont la deuxième chance, ils ont réussi à faire. Tant qu'il y a une lumière, on peut toujours réussir. Il y a toujours une deuxième chance dans la Torah. Que Bézard Hachem, on aura toujours la deuxième chance, on va toujours réussir dans Torah Mitzvot et un grand Shabbat Shalom à vous tous.